Vincent Delcourt. Entrepreneur, business angel, philanthrope. Vous êtes considéré par la presse étrangère comme le français incarnant le mieux la modernité et l'innovation. Êtes-vous heureux? C'est la première fois qu'il fait une crise de panique. Faudra qu'il se repose. Bonjour. Vous vivez ici? On sent que vous devez aimer faire la cuisine. On sent que vous êtes... Enfin, je veux dire, très... Vous allez bien, là, non? C'est vous qui avez raison. Un rayon de soleil, un peu d'eau de source, la sobriété heureuse. Qu'est-ce que vous voulez? J'aurais besoin de quelques heures de calme. Vous pourrez m'apprendre à fabriquer un fauteuil? Non, une chaise alors. Non plus. T'es sûr que c'est Vincent Delcourt? Oui. Et qu'est-ce qu'il faisait chez toi? Un tabouret, un tout petit tabouret. Toi, tu peux pas te rendre compte, mais ce gars-là, il est partout. Hein. Oui. Vincent! Vous étiez où? On commence à s'inquiéter. Vous devez être à Tel Aviv demain. Et les Anglais insistent pour vous voir avant. Je crois qu'il faudrait vraiment que vous fassiez un aller-retour à Londres ce soir. Au début, je croyais que c'était le lieu qui m'apaisait, puis je commençais à me demander si c'est pas lui. Vous en avez pas marre de dire des conneries? Mais c'est ça que vous voulez? Être ermite au pays des marmottes? C'est ma vie, j'en fais ce que je veux! Je veux pas faire partie de ce monde-là. Je veux pas que pas avoir le temps de penser, sous prétexte qu'il faut toujours aller plus vite. Que quiconque décide à ma place, de ma manière d'utiliser ce que j'ai de plus rare, de plus précieux, de plus éphémère. Mon temps de vie! Si je peux vous aider, j'aurai peut-être enfin l'impression de faire quelque chose de ma vie. Ne bougez pas, il y a un ours derrière donc. Vous prenez vraiment pour un idiot. On s'ennuie pas avec vous.